Et de retour dans ce marathon, hein, juste après cette première game avec Aatrox qui s'est plutôt bien passé. Et ben on va noter ça au petit bloc-notes là. Boum, Aatrox win. En mettant un peu plus grand. Oh fuck. Y a déjà quelqu'un qui a demandé le mid. Pas été assez rapide. Hop. Aatrox et win. On va passer maintenant à Harry. Hop. Bon, j'espère, voilà, le vrai problème de ce concept. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller lâcher des messages sur le Facebook. Hop. Ça se passe juste là sur Facebook. Allez lâcher un petit message ici, voir si vous avez, si vous aimez le principe, etc. Si vous voulez vraiment le voir jusqu'au bout, etc. Si vous êtes content que j'ai pris cette initiative, des choses comme ça se passe vraiment ici. Lâchez un petit message d'encouragement. Je prendrai le temps de les lire tous, hein, bien évidemment, une fois que le stream sera terminé. Et ouais, je disais, le seul problème c'est, ah là, est-ce qu'on va avoir le poste à chaque fois? Est-ce qu'on va avoir le bon héros à chaque fois? Vous avez vu la Elise qui est tout le temps ban. Quand on va devoir la jouer, ça va être compliqué. Bah, on essaiera de faire avec, mais pour l'instant, on est safe, hein, sur la première ligne, on est safe. Sur la deuxième ligne, bah, il y a Elise, Evelynn aussi qui va peut-être être un peu compliqué à voir. Sinon, le reste, c'est assez safe. Cassiopeia, moi, je l'attends. Cassiopeia, je pense que c'est vraiment fort. Donc, je pense juste que Mister de la Chroma n'ira pas sur la mid lane. Sinon, bah, j'irai sur une Ahri top. Ahri top, c'est beaucoup moins viable, hein. Je peux me prendre, bah, ce que j'ai mis à Zyra, je peux me le prendre si je joue Ahri top, parce que post level 6, c'est un peu useless. Après, il y en a plein qui ont fait il y en a plein qui ont fait ce genre de choses. Pourquoi on me dit que je suis mute? Je suis pas mute. Donc, à ce qui paraît, Wink of Dead, c'est un streamer américain, l'a fait avec tous les héros top. Snoopel l'avait fait avec tous les héros mid. Et les autres ont un peu no care. De ce que je sache. Alors je suis où là? Je suis à la Gaming House à Marseille. Hein. Et c'est pas Narcus derrière, c'est Jude les gars, c'est Jude. Pas Narcus. No, my Lissandra. Oh! What the fuck? Ils ont ban Marie! On va passer à Kali. Un problème, c'est contre. On va passer à Kali, malheureusement. Je vais top hors mid. Et on jouera Harry sur la prochaine. Donc, Harry, pour l'instant, on met un blanc à Kali. À Kali, je suis un peu moins confiant, hein, que. Un peu moins confiant. Oh oui. On va lancer la file. On va peut-être la voir à Harry, parce que je préfère Harry quand même. J'ai pas envie de m'afficher tout de suite dès la deuxième game. Laissez-moi ma Harry. Bordel. Akali, il y a quoi? Alistar après. On va faire que les A pour le moment. On va noter les A. Amumu, Anivia, Annie, Ashe. Et voilà. Donc, mon objectif c'est de faire tout au mois d'août. Après, je pense que ça va être chaud. Hein. Tout faire sur le mois d'août, ça va être compliqué. Pourquoi ça m'a quitté? Faut vraiment que je fasse des runes maîtrise aussi. J'ai quoi? Critique. Oh, elle est vide. Je vais faire des runes pour Akali. On va préparer Akali.
Il n'y a plus trop besoin de prendre de la physical dommage depuis que le passif a changé, mais ça reste correct, on est en early game. Bon, tant pis. Si Harry, pendant un moment, c'était mon main. Mais j'ai franchement, mon pool de champion, il a juste. Oh my god. Oh, le last pick tellement hard. Tant pis, si on n'arrive pas, bah, je jouerai Harry support. Ça peut être fort, Harry support. Donc ouais, c'est vrai qu'Akali, Harry, à un moment, je l'ai spammé. C'était quoi? C'était mi-saison 2. J'ai dû faire, je sais pas, 100 games avec Harry. Elle était vraiment forte. C'était l'époque où personne connaissait la force du DFG. Et tu prenais DFG en first item et tu one-shotais tout le monde. Ouais, à un moment, je la spammais. C'était surtout quand je streamais sur le Twitch en plus. Donc ça date un peu, depuis je l'ai pas trop rejoué donc. Vous savez, League of Legends, faut savoir évoluer, c'est ça la vraie force d'un joueur. C'est changer son pool de champion. Quand on regarde, j'en ai fait. J'en ai main plus de la moitié quoi. À un moment, je jouais Ezreal AP mid, j'ai joué Jax Irelia, j'ai joué Kayle top, à un moment je faisais que ça. Jayce, bah, à un moment je l'ai main, maintenant je le joue plus trop. Gragas, à un moment je jouais que ça, c'était quoi? C'était à l'époque où il avait des ratios de fou. Sur son A et sur son R, je jouais que ça. Et je faisais DFG ulti, je one-shotais quelqu'un. Ouais, Evelynn, la fameuse Evelynn mid, où j'étais l'un des premiers à la jouer en stream. C'était ouf aussi. Fizz, je l'ai joué correctement. Ouais, je les ai vraiment presque tous faits. Hein. Enfin, je les ai vraiment tous main en gros. Il y a des rois là comme Karthus, comme Karma, que j'ai pas joué. Pas trop touché. Le blanc, je l'ai pas mal joué aussi sur des smurfs. Donc c'est pour ça que ça me fait pas trop peur moi perso de faire ce marathon. Parce que avec 70% des champions, je vais être à l'aise. Peut-être pas être le meilleur, mais être à l'aise au moins. Et avec 30%, bah ça peut bien se passer avec de la chance. Un peu de chance, un peu de réussite. Ça va bien se passer. Après, si on perd la game, je pense pas que ce sera à cause du pick. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut se dire dès le début du marathon. Si on perd la game, ce sera pas à cause, ouais, j'avais pris Gangplank, donc on a perdu parce que j'avais Gangplank. Ça va être ce qui va se passer dans la game qui va faire qu'on perd la game. Mais voilà, genre. C'est ça aussi qui est compliqué, c'est qu'on sait pas à quoi s'attendre en termes de game. On a un support, on a un top. Mimide. Un petit peu pleurniché. Y a personne derrière moi, pourquoi vous parlez? Là, ça me se fraîche, ça. Pro, pas une Narcus. Et pas là du tout, Narcus. Attends, ma pique Marie. Berk. Je dois aller sur ma Akali. Akali. Bon, c'est bien, au moins avec Akali, je peux aussi top lane. Donc, au moins, ça change là. Enfin, quoique, il y a déjà Rengar top. Je peux jungle avec Akali. Caitlyn de pique. Draven plutôt. Caitlyn c'est bien contre Vayne, moi je lui conseillerais Caitlyn. Là dans ce que. Ouais dans ce moment-là je vous aurais conseillé plutôt Caitlyn que Draven. Parce que Draven il va se faire rush par Harry, il va rien pouvoir faire. On a un Lee Sin, ils m'ont laissé le mid. Ah, ça va être dur de sortir la Akali.
Ils vont prendre cher quand ils vont voir mon pic. Ils vont faire What the fuck, Akali? Je vais partir full AP sur mes masteries. Pas prendre d'AD du tout. Un peu d'HP pool pour leur late game. Bon, je suis pas très confiant sur cette game, pas autant qu'avec Aatrox quand on a vu les phases de pick. Puis Akali, c'est un petit peu un champion que je redoute. Il fait partie des fameux 30%. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis Harry, bah, ce sera pour la prochaine. Ils ont une très bonne composition hein, contre mon héros. Ils ont beaucoup de CC et c'est ce qui compte vraiment à Akali. Et puis ils ont assez tanky aussi. Après, j'ai pas trop peur de leur mobilité. Enfin, c'est vrai que Nami aussi ça va m'embêter. Nami et Wukong vont vraiment m'embêter en fait. Le reste ça va. Le slow Nunu c'est gérable. Larry c'est gérable aussi. Je réponds un peu à des queries. Yazilian qui me dit tu me prends quand? Bah tout à la fin. Tu passeras en dernier. Si tu devais changer quelque chose dans ton matériel informatique, tu changerais quoi en premier? Clavier, chaise ou souris? Bah ici je changerais la chaise parce qu'elles sont vraiment pas super. Mais sinon dans mon matériel de jeu, je changerais ma souris. Mon clavier j'ai changé il y a pas longtemps et je suis vraiment bien avec. Le tapis de souris aussi. Donc c'est ma souris, j'ai envie de changer de souris, mais pour l'instant je trouve pas mieux. Alors si on traîne toujours, hein. Juste cette semaine on s'est accordé un peu plus de temps parce que certains n'avaient pas vu leurs proches depuis un bon moment. Mais ils sont toujours obligés de practice au moins la solo queue, etc. Donc travailler les mécaniques. Et juste après, dans 5 jours, on se retrouve tous pour préparer l'insomnia qui arrive dans 20 jours. Donc on aura 20 jours pour préparer l'insomnia. Au top. Ah dommage, il était parti. Bon. Au final, comment va se passer cette game? On aurait pu invade. Moi je suis chaud pour invade parce qu'en fait l'invade peut tellement changer la game. Là on n'est pas super bien en termes de pick. Il suffit qu'on prenne un petit force blood, qu'on fasse claquer un flash. Et la game peut être totalement différente et on a cette puissance d'avoir un Blitzcrank. Donc pourquoi pas une Vayne? Oh, elle est fou la Pellari. Bon, il n'y aura pas d'invade malheureusement. On est parti contre une Ahri. Donc pour l'instant le match-up est à son avantage contrairement à la game d'avant. A voir comment elle le gère. Surtout qu'elle est full AP. Elle a genre 40 AP level 1. Il y a eu un start blue de la part de leur équipe. Auto-attaque. Donc pour l'instant je profite de mon sustain, de mon passif. Prends la zone level 2 en cas de gank. Concentré sur le farm.
Mais attendez pour ce creep. Ça contre-push. Celui-là, fallait pas que je le rate. Celui-là, c'est un peu moins grave. Je récupère ma zone. Donc, je fais très attention quand ma zone est en CD. C'est vraiment un moment où on est assez facile à tuer. Voilà. Ah, je prends quand même le bisou. Bon, je vais prendre un peu de poke. Même pas mal de poke. C'est pas grave, ça va me faire claquer une pote supplémentaire. Sur le poste level 6 avec Akali est assez compliqué. Non, je vais pas la laisser quand même me free DPS à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai starté au moins avec 4 potes pour un petit peu tenir cette early game. J'arrive à avoir un farm, un CS de plus qu'elle. Ça c'est bien ça par contre. Oh non. Ça s'est joué à rien pour ce CS. C'est bien là, ça va push dans mon sens, tant mieux. Il y a Nunu top. Je pense que ça va être le first blood pour eux. Non, il s'en sort. Nice. Pas facile ça, s'en sortir de Nunu, Wukong, gank de dos en plus. Il a du flash au vraiment bon moment. On voit pas qu'elle black quand même. Ça fait quand même assez mal à Kali aussi. Ouais. J'aurais bien aimé la tuer là en fait. Elle a fait un peu la ouf là. Nice! First blood pour moi, gratuit. Elle a fait un peu l'agressive, mais ça fait très mal à Kali en corps à corps. Je comprends pas pourquoi elle met autant en corps à corps. Une erreur de sa part là, grosse erreur de sa part qui me donne un first blood. J'ai essayé de snowball dessus, surtout que mon farm est correct depuis le début de la partie. Je fais très peu d'erreurs, on va dire. Même si je joue assez safe. Et c'est bien, ça l'a provoqué. Et à mon avis, elle a un petit peu craqué mentalement quoi. Elle voulait un peu de combat. Elle m'a engagé avant le level 6. Allez, on va back, on va pas grid 3 CS. 44 CS à 35, j'ai le first boot, j'ai 1700 gold. Et là on va pouvoir l'agresser hein. Oh tiens, heureusement j'ai failli faire une erreur. Parce que là j'allais racheter des boots. Vu que je les prends jamais level 1 d'habitude, j'allais racheter des boots, je vais pas vous mentir hein. J'allais vraiment racheter des boots, sauf qu'on n'a plus le droit. Très bien ça de la part de Riot. J'allais faire une j'allais perdre quelques gold quoi. Parce que je start jamais avec des boots. Et donc j'avais complètement oublié que j'allais start avec des boots. Et par réflexe j'allais acheter des boots quoi. J'ai vu 350 gold. Oui. On reprend le farm tranquillou. Là je pense que je vais pouvoir l'agresser dès que je la vois. Après faire attention qu'il n'y ait pas le Nunu derrière. Ils doivent être sur le buff bleu. Non, elle était là. This is a snowball, guys.
La snowbolitude. Jamais de nain fort bout d'Akali. Bon, il doit se passer des trucs de ouf à la GH. Ah mais comment il est cramé le Bitsrank aussi. Le Bitsrank a pas eu un très bon déplacement. C'était totalement téléphoné. Bon allez re. Oh c'est bien joué ça. C'est très bien joué. Très 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 bien joué, personne ne meurt. Même si ça passe à rien. Botlane ils font leur trade, ils gagnent. Parfait, et moi je vais snowball au mid. NP les dégâts on va dire. Non. La potion. Wouh, wouh babies. On est chaud. Là faut que je régène, on va mettre beaucoup d'auto-attaque. Quitte à perdre du farm, parce que s'il y a un inu qui passe, je trépasse. Bon, qui a dit que j'avais la pression avec Akali? Pas de pression du tout. NP. J'ai bientôt mon item. Décaler botlane. Pourquoi ils ont pas écouté mon ping? J'aurais dû ping un peu plus, je pense. Non, moi je risque rien. This is a snowball, babies. Non. J'ai tellement pas envie. Oh, ce héros. C'est bien parce qu'en fait il vient d'éviter de donner un shutdown à la Vayne. Là c'est dommage que bot il serait pas mort, ils auraient juste écouté mon ping, on aurait pas perdu le Drake. Et ça c'est une valeur sûre. Oh elle est mortelle. Le cri faut pas qu'il meure. Ah, 1v1 Draven, Vayne. Bon, très bien. On va essayer d'embêter un peu le Nunu. On va regarder un peu plus offensivement. Passons raid. Là, Nautilus a vraiment fait le bon choix en me sauvant la vie tout à l'heure. En mourant pour moi, c'est son job. De toute façon, Il avait pas de shutdown, il donnait pas de gold supplémentaire, moi je donnais beaucoup d'argent. Elle aurait pu tellement bait.
Un peu normal, hein. Un peu normal. La snowbolance. Ok. Je savais pas que tu savais faire ça. Ah, j'ai perdu ma tour, moi. Qui m'a tapé ma tour? Ah oui, ils l'ont tapé à deux tout à l'heure. Ils m'ont défoncé ma tour. Allez, passe par là, là. Passe par ici, là. Allez, tu sais pas que c'est wardé. Oui. Oui. Non. Oui, non, oui, non, oui. Non. Allez, va mid, va farm mid. Tu veux du farm, tu veux, tu aimes le farm. Miam, miam, miam. Des sous, des sous, des sous, des sous, des sous, la mort aussi. On esquive le bisou, on te saute dessus. T'es mort. Oh, oh non. C'est tellement interdit de faire ça. Lâche-moi, toi. J'ai tout mis, un hein, sabre vicié, etc., etc. Je peux pas faire plus. Essaie pas, essaie pas, essaie pas, essaie pas. Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Non. Go là. Pourquoi tu vas sur Harry toi? Bon bah si c'est si c'est Laissez-moi double buff, laissez-moi double buff, laissez-moi double buff. I'm legendary. Oh yeah. Toi tu vas prendre cher. Il va le trouver ou pas le mec qui traînait là-bas? Moi je sens qu'il va le trouver. Non. Putain, elle fait que farm les way, je sais pas pourquoi. Ça c'est vraiment pas rentable ce qu'elle fait. Ah non, elle va bot, ok. Gardez mon sable ici au cas où. Bon, j'ai 3000 gold, je vais aller chercher un Riley. DPV. De la paix. On est au top et du slow supplémentaire. Je suis 9-0. Donc là je suis vraiment le plus gros DPS de la game. Faut vraiment pas que je meure. Là je fais une erreur, on perd la game. C'est le défaut aussi d'avoir pris tous les kills. Enfin d'avoir pris. Oh non. J'ai encore mon sabre vicié. Merde. C'était pas ce ping là. Vas-y tank 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 tank. Bien joué ça.
Hey, salut toi, tu vas pas back? Hey! Bon, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Oh, calme-toi. Par contre, là, t'as été fou! T'as été fou! J'ai beaucoup de vols de vie! T'as l'anami, je peux l'OS. Vas-y, ils sont deux bots. Je grid ou je grid pas? Je grid ou je grid pas? Regardez comment je vais donner envie à l'anami. Bon, elle est pas venue. Il va falloir la ténacité. De la ténacité, donc boots Mercury 100%. Et derrière, on va pouvoir aller sur de la P ou un Zonia. Pourquoi pas jouer safe? Qu'est-ce que je peux faire sur Kali? Je sais que la brillance est très sympathique aussi. Un Lich Bane. Toujours des potions, ça peut sauver une vie. Allez, pour l'instant, ça se passe vraiment bien le marathon. Le game avec Aatrox qui s'est bien géré, qui s'est bien snowball du début à la fin. Là, avec Akali 11-0. Très bien, les amis. Et j'ai envie de fight, hein. J'ai envie de fight et ça tombe bien parce que ma team aussi. Oh, tu vas prendre cher. Non. Oh, si tu vas prendre cher. Allez. C'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. On prend la pote. On connaît le vrai. Toi aussi, c'est fait. Double kill, les gars. Au top. Et c'est GG well play. C'est GG well play. Et on est qualifié pour le platine 1. Very good mid. Bah, je suis pas d'accord avec lui, il a pas si mal joué. Bon, son score ne va pas à son encontre. Il a pas si mal joué, c'est juste qu'il m'a donné le first blood. Sa vraie erreur, c'était ça. Sinon, le reste, c'était correct, il prenait les bonnes agressions. Après, il avait un Nunu, donc c'est pas très agressif en jungler en termes de gank. Donc, non, je suis pas d'accord avec ce qu'il raconte. C'est juste le first blood, il a fait une erreur, mais c'est des erreurs typiques qu'on peut voir. Allez, on reprend notre petit carnet. Et c'est une win pour Akali. Il nous manque bah, Harry, hein, bien évidemment. Entre Aatrox, Akali, il y a Harry. On l'a pas fait. On a dû la sauter parce qu'elle a été pique en face. Donc, comment faire 20-0 quand on démarre de 1-0? C'est le snowball pur et dur. Donc, ça passe par l'itemisation, gestion de l'XP, gestion de lane. À un moment, j'avais 4 niveaux d'avance sur la Harry. Je devais sûrement avoir du farm d'avance. J'ai pas fait gaffe. Et voilà, du snowball pur et dur. Allez, on marque une courte page de pause. On se retrouve juste après. Pour, bah, j'espère Harry ou Alistar. Donc, j'espère Harry. À tout de suite.